On finit aujourd'hui, euh, bonjour à tous, on va finir aujourd'hui euh, l'alture des petites filles modèles. Euh, donc euh, il ne nous reste plus grand-chose. Et puis pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé dans les sessions d'avant Il euh, bah, y a eu un mort en fait, <laughs> de façon assez inattendue pour ce genre de, pour ce genre de livre. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc, euh, Marguerite et Sophie, qui sont les deux plus jeunes, euh, se sont perdues en forêt parce qu'elles avaient eu dans l'idée de traverser la forêt euh, comme ça pour aller voir quelqu'un et elles se sont perdues, elles ont passé la nuit dans la forêt et elles ont été sauvées par euh, un homme qui est monsieur Hurel qui est bouché euh, je crois euh, dans la ville d'à côté qui les a sauvées et euh, pour euh, le remercier euh, et les, 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 la mère de euh, Camille et Madeleine qui, euh, et, et celle de Marguerite qui s'occupe également de, de Sophie, euh, l'ont remercié en, euh, lui, euh, en lui donnant un peu d'argent et un peu de, de biens, il me semble. Et puis, en fait, ils ont aussi commencé à avoir une relation d'amitié avec, avec cette famille. Et euh, malheureusement, la dernière fois, euh, ce qu'on avait lu, c'était que il euh, s'était passé un drame et que euh, M. hurel euh, je crois, en allant voir justement, en allant rendre visite. À, euh, Madame de Fleurville et Madame de Rosebourg étaient tombés de son cheval, et étaient tombés dans la rivière et il était mort en fait, noyé. Et donc euh, la, la famille de ce monsieur elle, est absolument incons inconsolable, ce qui est bien normal. Et voilà, donc on s'est arrêté vraiment juste à ce moment-là euh, dans, dans, dans le récit, ce qui était vraiment étonnant parce que c'est vrai que bon, en général, maintenant dans les dans les contes pour enfants, ce serait, enfin, ce serait un peu bizarre en fait dans les, dans les roman moderne. Mais voilà, c'est ce qui s'était passé. Et, euh, et donc, on va continuer avec le chapitre 26. Chapitre qui euh, annonce bien des bonnes choses puisque ça s'appelle La Petite Vérole. Donc, euh, en général, c'est les maladies qui, euh, qui emmenaient pas mal d'enfants, bah, dont, dont décédaient pas mal d'enfants de, à l'époque. Chapitre 26. La Petite Vérole. Un jour, Camille se plaignit de mal de tête, de mal de cœur. Son visage, pâle et altéré, inquiéta Madame de Fleurville, qui la fit coucher. La fièvre, le mal de tête continuant, ainsi que le mal de cœur et les vomissements, on envoya chercher le médecin. Il ne vint que le soir, mais quand il arriva, il trouva Camille plus calme. Elisa lui avait mis au pied des cataplasmes, saupoudrés de camphre, qui l'avaient beaucoup soulagée. Elle buvait de l'eau de gomme fraîche. Le médecin complimenta Elisa sur les soins éclairés et affectueux qu'elle donnait à sa petite malade. Il complimenta Camille sur sa bonne humeur et sa docilité, et dit à madame de Fleurville de ne pas s'inquiéter, et de continuer le même traitement. Le lendemain, Elisa aperçut des taches rouges sur le visage de Camille. Les bras et le corps en avaient aussi. Vers le soir, chaque tache devint un bouton, et en même temps le mal de cœur et le mal de tête se dissipèrent. Le médecin déclara que c'était que c'était la petite vérole. On, éloigne, on éloigna immédiatement les trois autres enfants. Elisa et madame de Fleurville restèrent seules auprès de Camille. Madame de Fleurville voulait aussi renvoyer Elisa, de peur de la contagion, mais Elisa s'y refusa obstinément. Jamais, madame, je n'abandonnerai jamais ma pauvre malade. Quand même je devrais gagner la petite vérole, je ne manquerai pas à mon devoir. Ma bonne Elisa, je sais combien tu m'aimes, mais moi aussi je t'aime et je serais dé désolée de te voir malade à cause de moi. Ta ta ta, restez tranquille ne vous inquiétez de rien, ne parlez pas. Si vous vous agitez, le mal de tête reviendra. Camille sourit et remercia Elisa du regard. Ses pauvres yeux étaient à moitié fermés son visage était couvert de boutons. Quelques jours après, les boutons séchèrent, et Camille put quitter son lit. Il ne lui restait que de la faiblesse. Pendant sa maladie, Madeleine, Marguerite et Sophie demandaient sans cesse de ses nouvelles. On leur défendit d'approcher de la chambre de Camille, mais elles pouvaient voir Elisa et lui parler. Vingt fois par jour, quand elles entendaient sa voix dans la cuisine ou dans l'antichambre, elles accouraient pour s'informer de leur chère Camille. Elles lui envoyaient des découpures, des dessins, de petits paniers en jonc, tout ce qu'elles pensaient pouvoir la distraire et l'amuser. Camille leur faisait dire mille tendresses mais elle ne pouvait rien leur envoyer, car on lui défendait de travailler, de lire, de dessiner, de peur de lui fatiguer ses yeux. Il y avait huit jours qu'elle était levée. Ses croûtes commençaient à tomber, lorsqu'elle fut frappée un matin de la pâleur d'Elisa. Camille avec inquiétude. Tu es malade, Elisa? Tu es pâle comme si tu allais mourir. Oh. Comme ta main est chaude. Tu as la fièvre. J'ai un affreux mal de tête depuis hier je n'ai pas dormi de la nuit, voilà pourquoi je suis pâle mais ce ne sera, ce ne sera rien. Couche toi, ma chère Elisa, je t'en prie. Je peux à peine te soutenir. Tu peux à peine te soutenir. Vois, tu chancelles. Elisa s'affaissa sur un fauteuil. Camille courut appeler sa maman, qui la suivit immédiatement. Voyant l'état dans lequel était la pauvre Elisa, elle lui fit bassiner son lit et la fit coucher malgré sa résistance. Le médecin fut encore appelé il trouva beaucoup de fièvre, du délire, et, commenç... et déclara que c'était probablement la petite vérole qui commençait. Il ordonna divers remèdes, qui n'amenèrent aucun soulagement. Le lendemain, il fit poser des sangsues aux chevilles de la malade, pour lui dégager la tête et faire sortir les boutons. Depuis qu'Elisa était dans son lit, Camille ne la quittait plus. Elle lui donnait à boire, chauffait ses cataplasmes, lui mouillait la tête avec de l'eau fraîche. Il fallut toute son obéissance aux ordres de sa mère pour l'empêcher de passer la nuit auprès de, 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 sa, chère, de sa chère Elisa. C'est en me soignant qu'elle est devenue malade, répétait elle en pleurant. Il est juste que je la soigne à mon tour. Elisa ne sentait pas la douceur de cette tendresse touchante. Depuis la veille, elle était sans connaissance. Elle ne parlait pas, n'ouvrait même pas les yeux. On lui mit vingt sangsues aux pieds, sans qu'elle eût l'air de les sentir. Son sang coula abondamment et longtemps enfin on l'arrêta, on lui enveloppa les pieds de coton. Le lendemain tout son corps se couvrit de plaques rouges. C'était la petite vérole qui sortait. En même temps elle éprouva un mieux sensible. Ses yeux purent s'ouvrir et supporter la lumière. Elle reconnut Camille qui la regardait avec anxiété et lui sourit. Camille saisit sa main brûlante et la porta à ses lèvres. Ne parle pas, à ma pauvre Elisa, lui dit elle ne parle pas maman et moi, nous sommes près de toi. Elisa ne pouvait pas encore répondre mais, en reprenant l'usage de ses sens, elle avait repris le sentiment des soins que lui avaient donnés Camille et madame de Fleurville. Sa reconnaissance s'exprimait par tous les moyens possibles. Pendant plusieurs jours encore, Elisa fut en danger. Enfin arriva le moment où le médecin déclara qu'elle était sauvée les boutons commençaient à sécher. Ils étaient si abondants que tout son visage et sa tête en étaient couverts. Lorsqu'elle fut mieux et qu'elle commença à prendre quelque nourriture, Camille, qui allait tout à fait bien, demanda à sa mère si elle ne pouvait pas sortir et voir sa sœur et ses amis. Tu peux te promener, chère enfant, dit Madame de Fleurville, et causer avec Madeleine et tes amis, mais pas encore les embrasser ni les toucher. Camille sauta hors de sa chambre. Courut dehors, et, entendant les voix de Madeleine, de Sophie et de Marguerite qui causaient dans le petit jardin, elle se dirigea vers elle en criant Madeleine, Marguerite, Sophie, je veux vous voir, vous parler. Venez vite, mais ne me touchez pas Trois cris de joie répondirent à l'appel de Camille. Elle vit accourir ses trois amies, se pressant, se poussant, à qui arriverait la première. Arrêtez cria Camille, s'arrêtant elle-même. Maman m'a défendu de vous toucher je pourrais encore vous donner la petite vérole. Madeleine. Je voudrais tant t'embrasser, Camille, ma chère Camille. Marguerite. Et moi donc? Ah bah. Je t'embrasse tout de même. En disant ces mots, elle s'élança vers Camille, qui sauta vivement en arrière. Imprudente, dit elle, si tu savais ce que c'est que la petite vérole, tu ne t'exposerais pas à la gagner. Sophie. Raconte nous si tu t'es bien ennuyée, si tu as beaucoup souffert, si tu as eu peur. Oh, oui, mais pas quand j'étais très malade. Je souffrais trop de la tête et du mal de cœur pour m'ennuyer. Mais la pauvre Elisa a souffert bien plus et bien plus longtemps que moi. Madeleine, et comment est-elle aujourd'hui Quand pourrons-nous la revoir Elle va bien, elle a mangé du poulet à déjeuner. Elle se lève, elle croit que vous pourrez la voir par la fenêtre demain. Quel bonheur Et quand pourrons-nous l'embrasser ainsi que maman « Maman, qui n'a pas eu comme moi la petite vérole, pourra vous embrasser tout à l'heure. » Elle est allée changer ses vêtements, qui sont imprégnés de l'air de la chambre d'Elisa. Les enfants continuèrent à causer et à se raconter les événements de leur vie simple et uniforme. Bientôt arriva Madame de Fleurville avec Madame de Rosebourg. Les enfants se précipitèrent vers elle et l'embrassèrent bien des fois, pendant que Madame de Rosebourg embrassait Camille. Depuis trois semaines, Madame de Fleurville n'avait vu les enfants que de loin et à la fenêtre. Le matin même, le médecin avait déclaré qu'il n'y avait plus aucun danger de gagner la petite vérole, ni par elle ni par Camille mais Elisa devait encore rester éloignée jusqu'à ce que ses croûtes fussent tombées. Le lendemain, il y avait grande agitation parmi les enfants. Elisa devait se montrer à la fenêtre après déjeuner. Une heure d'avance, elles étaient comme des abeilles en révolution elles allaient, venaient, regardaient à la pendule, regardaient à la fenêtre, préparaient des sièges, enfin elles se rangèrent toutes quatre sur des chaises, comme pour un spectacle, et attendirent les yeux levés. Tout à coup, la fenêtre s'ouvrit, et Elisa parut. Elisa! Elisa, ma pauvre Elisa s'écrièrent Camille et Madeleine, que les larmes empêchèrent de continuer. Bonjour, ma chère Elisa. Sophie, bonjour, ma chère Elisa. Bonjour, bonjour, mes enfants. Voyez comme je suis devenue belle, quel masque sur mon visage. Oh! tu seras toujours ma, ma belle et ma bonne Elisa! Crois-tu que j'oublie que c'est pour m'avoir soignée que tu es tombée malade? Tu me l'as bien rendue aussi. Tu es une bonne, une excellente enfant. Tant que je vivrai, je n'oublierai ni la tendresse touchante que tu m'as témoignée pendant ma maladie, ni la bonté de Madame de Fleurville. Et la pauvre Elisa, attendrie, essuya ses yeux pleins de larmes. Son attendrissement gagnait les enfants, qui se mirent à pleurer aussi. Madame de Fleurville et Madame de Rosebourg arrivèrent pendant que tout le monde pleurait. Qu'y a-t-il donc » demandèrent-elles, un peu effrayées. « Rien, maman, c'est la pauvre Elisa qui est à la fenêtre. » Ces dames levèrent les yeux, et voyant pleurer Elisa, elles comprirent la scène de larmes joyeuses qui venait de se passer. « Il s'agit bien de pleurer aujourd'hui, » dit Madame de Rosebourg. « Laissons Elisa se reposer et, se, et bien se rétablir, et allons, en attendant, arranger une fête pour célébrer son rétablissement. »« Une fête Une fête !» s'écrièrent les enfants. Ah. Oh, merci, chère madame. Ce sera charmant. Une fête pour Elisa. Elisa était fatiguée. Elle se retira dans le fond de sa chambre. Les enfants suivirent madame de Rosebourg et discutèrent les arrangements d'une fête en l'honneur d'Elisa. En passant au chapitre suivant, nous saurons ce qui aura été décidé. Chapitre 27. La fête. Depuis quelques jours, tout était en rumeur au château. On enfonçait des clous dans une orangerie attenante au salon. On assemblait ou on brouettait des fleurs. On, cuisinait des on cuisait des pâtés, des gâteaux, des bonbons. Les enfants avaient avec Elisa un air mystérieux. Elle l'empêchait d'aller du côté de l'orangerie. Elle la gardait le plus long, le plus possible avec elle, afin de ne pas la laisser causer dans la cuisine et à l'office. Elisa se doutait de quelques surprises, mais elle faisait l'ignorante pour ne pas diminuer le plaisir que se promettaient les enfants. Enfin, le jeudi suivant, à trois heures, il y eut dans la maison un mouvement extraordinaire. Elisa s'apprêtait à s'habiller lorsqu'elle vit entrer des enfants qui portaient un énorme panier couvert et qui avaient leur belle toilette du dimanche. Camille, nous allons t'habiller, ma bonne Elisa. Nous, app nous apportons tout ce qu'il faut pour ta toilette. J'ai tout ce qu'il me faut, merci, mes enfants. Madeleine, mais tu n'as pas vu ce que nous t'apportons? Tiens, tiens, regarde! Et en disant ces mots, Madeleine enleva la mousseline qui, qui couvrait le panier. Elisa vit une belle robe en taffetas marron, un col et des manches en dentelle, un bonnet de dentelle garni de rubans et un mantelet de taffetas noir garni de volants pareils. Ce n'est pas pour moi tout cela, c'est trop beau! Je ne mettrai pas une si élégante toilette, je ressemblerai à Madame Ficini. Tu ne ressembleras jamais à la grosse Madame Ficini. Il n'y a plus de Madame Ficini, c'est la comtesse Blagovski qu'il faut dire. Madeleine, pas bah, la comtesse Blagovski ou Madame Ficini, qu'importe, habillons Elisa. Avant qu'elle eût pu les empêcher, les quatre petites filles avaient dénoué le, et le tablier et déboutonné la robe d'Elisa qui se trouva en jupon en moins d'une minute. Camille, baisse-toi que je te mette ton col. Madeleine, Donne-moi ton bras, que je passe une manche. Marguerite, étends l'autre bras, que je te passe l'autre manche. Sophie, voici la robe, je la tiens toute prête, et le bonnet. La robe fut passée, arrangée, boutonnée. Les enfants menèrent Elisa devant une glace de leur maman. Elle se trouva si belle qu'elle ne pouvait se lasser de se regarder et de s'admirer. Qui l'accompagnèrent? Euh, elle elle remercia et embrassa tendrement les enfants, qui l'accompagnèrent chez madame de Fleurville et madame de Rosebourg, car Elisa voulait les remercier aussi. À présent, mes enfants, dit elle, en se dirigeant vers sa chambre, je vais ôter toutes ces belles affaires je les garderai pour la première occasion. Camille. Mais non, Elisa. Il faut que tu restes toute la journée habillée comme tu es. Pourquoi faire? Tu vas voir. Viens avec moi. Et, saisissant Elisa, les quatre enfants la conduisirent dans le salon, puis dans l'orangerie qui était convertie en salle de spectacle et qui était pleine de monde. Les fermiers et les messieurs du voisinage étaient dans la galerie élevée. Les domestiques et les gens du, du village occupaient le parterre. Les enfants entraînèrent Elisa toute confuse à des places réservées au milieu de la galerie. Elles s'assirent autour d'elle. La toile se leva et le spectacle commença. Le sujet de la pièce était l'histoire d'une bonne négresse qui, lors du massacre des Blancs par les, a... par les Nègres à l'île de Saint-Domingue, sauve les enfants de ses maîtres, les soustrait à mille dangers et finit par s'embarquer avec eux sur un vaisseau qui retournait en France. Elle dépose entre les mains du capitaine une cassette qu'elle a eu le bonheur de sauver, qui appartenait à ses maîtres, par... massacrée et qui contenait une somme considérable en bijoux et en or. Elle déclare que cette somme appartient aux enfants. On applaudit avec fureur. Les applaudissements redoublèrent lorsque de tous côtés on lança des bouquets à Elisa, qui ne savait comment remercier de tous ces témoignages d'intérêt. Après le spectacle, on passa dans la salle à manger, où l'on trouva, des... trouva la table couverte de pâté, de jambon, de gâteaux, de crème, de gelée. Tout le monde avait faim, on mangea énormément. Pendant que les voisins et les personnes du château faisaient ce repas, on servait dehors aux gens du village des pâtés, des galantines, des galettes, du cidre et du café. Lorsque chacun fut rassasié, on rentra dans l'orangerie, d'où l'on avait enlevé tout ce qui pouvait gêner pour la danse. Les chaises et les bancs étaient rangés contre le mur. Les lustres et les lampes étaient allumés. Au moment où les enfants entrèrent, l'orchestre, composé de quatre musiciens, commença une contredanse. Les petites et Elisa la dansèrent avec plusieurs dames et messieurs. Les autres invités se mirent aussi en train, et, une demi heure après, tout le monde dansait dans l'orangerie et devant la maison. Les enfants ne s'étaient jamais autant amusés. Elisa était enchantée et attendrie de cette fête donnée à son intention, et dont elle était la reine. On dansa jusqu'à onze heures du soir. Après avoir mangé encore quelques pâtés, du jambon, des gâteaux et des crèmes, chacun s'en alla les uns à pied, les autres en carriole. Les enfants rentrèrent chez elles avec Elisa, après avoir bien embrassé et remercié leur maman. Sophie, Dieu que j'ai eu chaud, ma chemise est trempée. Et moi donc Ma robe est toute mouillée de sueur. Oh, que j'ai mal aux pieds. Je n'en puis plus, à la dernière contredanse, mes jambes ne pouvaient plus remuer. As-tu vu ce gros petit bonhomme au ventre rebondi qui a été roulé dans un galop oui, il était bien drôle. Il sautait, il galopait, tout comme s'il n'avait pas eu un gros ventre à traîner. Et ce grand maître qui sautait si haut qu'il a accroché le lustre Il a bien manqué de prendre feu, ce pauvre maigre. C'est qu'il aurait brûlé comme une allumette. As-tu remarqué cette petite fille prétentieuse qui faisait des mines et qui était si ridiculement mise Non, je ne l'ai pas vue. Comment était-elle habillée Elle avait une robe grise avec de grosses fleurs rouges. Ah. Oui, je sais ce que tu veux dire. C'est une pauvre ouvrière très timide et qui n'est pas du tout prétentieuse. Par exemple, si celle là ne l'est pas, je ne sais qui le sera. Et cette autre qui avait une robe de mousseline blanche chiffonnée avec des nœuds d'un bleu passé qui traînait jusqu'à terre, trouves tu aussi qu'elle n'était pas affectée? Voyons, ne disons pas de mal de tous ces pauvres gens qui se sont habillés chacun comme il l'a pu, qui se sont amusés et qui ont contribué à nous amuser. Sophie avec aigreur mon Dieu, comme tu es sévère. Est ce qu'il est défendu de rire un peu des gens ridicules? Non, mais pourquoi trouver ridicule des gens qui ne le sont pas? Si tu les trouves bien, ce n'est pas pour une raison que je sois obligée de dire comme toi. Sophie, Sophie, tu vas te fâcher tout à fait si tu continues sur ce ton. Il n'est pas question de se fâcher, je dis seulement que je trouve Camille on ne peut plus on ne peut plus ennuyeuse avec sa perpétuelle bonté. Jamais elle ne rit de personne, jamais elle ne voit les bêtises et les sottises des autres. Marguerite avec vivacité. Et c'est bien heureux pour toi! Que veux-tu dire par là? Je veux dire, mademoiselle, que si Camille voyait les sottises des autres et si elle en riait, elle verrait souvent les vôtres et que nous ririons toutes à vos dépens. Sophie en colère. Je m'embarrasse peu de ce que tu dis, tu es trop bête. Elisa qui entre. Eh bien, eh bien, qu'est-ce que j'entends On se querelle par ici C'est sauv... Marguerite qui me dit des sottises. Il me semble que quand je suis entrée, c'était vous, en dis... vous qui en disiez à Marguerite. C'est-à-dire, je... je répondais seulement. Mais, Mais c'est elle qui a commencé. C'est vrai, Elisa. Je lui ai dit qu'elle disait des sottises. J'avais raison, puisqu'elle a dit que Camille était ennuyeuse. Mes enfants, mes enfants, est-ce ainsi que vous finissez une si heureuse journée En vous querellant, en vous injuriant Sophie et Marguerite rougirent et baissèrent la tête. Elles se regardèrent et dirent ensemble. Pardon, Sophie. Pardon, Marguerite. Puis elles s'embrassèrent. Sophie demanda pardon aussi à Camille, qui était trop bonne pour lui en vouloir. Elles achevèrent toutes de se déshabiller et se couchèrent après avoir dit leur prière avec Elisa. Elisa les remercia encore tendrement de toute leur affection et de la journée qui venait de s'écouler. Chapitre 28 La partie d'Anne Maman, pourquoi ne montons-nous jamais à Anne C'est si amusant. Madame de Rosebourg hmm, J'avoue que je n'y avais jamais pensé. Madame de Fleurville Moi non plus, mais il est facile de réparer cet oubli. On peut avoir deux ânes de la ferme, ceux du moulin et de la papeterie, ce qui en fera six. Et où irons-nous, irons maman, avec nos six ânes Nous pourrions aller au moulin. Non, Jeannette est trop méchante. Depuis qu'elle m'a volé ma poupée, je n'aime pas à la voir. Elle me fait des yeux si méchants que j'en ai peur. Allons à la Maison Blanche voir Lucie. Ce n'est pas assez loin, nous y allons sans cesse à pied. J'ai une idée que je crois bonne. Je parie que vous en serez toutes très contentes. Quelle idée, maman Dites-la, je vous en prie. C'est d'avoir un septième Anne. Mais ce ne sera pas amusant du tout d'avoir un âne sans personne dessus. Attends donc, que tu es impatiente. Le septième âne porterait les provisions. Et. Et vous ne devinez pas? Des provisions? Pour qui donc, maman? Pour nous, pour que nous les mangions. Mais pourquoi ne pas les manger à table, au lieu de les manger sur le dos de l'âne? Tout le monde partit d'un éclat de rire. L'idée de faire du dos de l'âne une table à manger leur parut si plaisante qu'elles en rirent toutes, Marguerite comme les autres. Ce n'est pas sur le dos de l'âne que nous mangerons, dit madame de Fleurville. Mais l'âne transportera nos déjeuners. Notre déjeuner est dans la forêt du moulin. Nous, nous étalerons notre déjeuner sur l'herbe, dans une jolie clairière, et nous mangerons en plein bois. Charmant. Charmant. Crièrent les quatre petites en battant des mains et en sautant. « Oh, La bonne idée. Embrassons bien maman, pour la remercier de sa bonne invention. Je suis enchantée d'avoir si bien trouvé, répondit madame de Fleurville, en se dégageant des bras des enfants, qui la caressaient à l'envie l'une de l'autre. Maintenant, je vais commander un déjeuner froid pour demain, et m'assurer de nos satanes. Les petites coururent chez Elisa, pour lui faire part de leur joie, et pour lui demander de venir avec elles. Elisa les embrassa mes chères petites, je vous remercie de penser à moi et de m'inviter à vous accompagner. Mais j'ai autre chose à faire que de m'amuser, à moins que vos mamans n'aient besoin de moi. J'aime mieux rester à la maison et faire mon ouvrage. Quel ouvrage Tu n'as rien de pressé à faire J'ai à finir vos robes de popeline bleue. J'ai à faire des manches, des cols, des jupons, des chemises, des mou. Assez, assez, grand Dieu, comme en voilà C'est toi qui feras donc tout cela Et qui donc Ce sera vous, par hasard Eh bien, oui, nous t'aiderons. Pendant deux jours. <laughs> Merci bien, mes chéris. J'aurais là de fameuses ouvrières qui me cacheraient mon ouvrage au lieu de, au au lieu de me l'avancer. Du tout, du tout, chacun son affaire. Amusez-vous, courez, sautez, mangez sur l'herbe. Mon devoir à moi est de travailler. D'ailleurs, je suis trop vieille pour gambader et courir les forêts. Donc, euh, voilà, encore une fois, hein, 19e siècle, donc euh, bien sûr, les servants sont toujours très heureux de travailler pour euh, les gens qui ne travaillent pas. Sophie. Vous dansiez pour, pourtant joliment le jour du bal. Oh, cela c'est autre chose, c'est pour entretenir les jambes. Mais sans plaisanterie, mes chers enfants, ne me forcez pas à être de la partie demain, j'en serais contrariée. Une bonne est une bonne, et n'est pas une dame qui vide ses rentes. J'ai mon ouvrage et je dois le faire. L'air sérieux d'Elisa mit un terme à l'insistance des enfants. Elles l'embrassèrent et la quittèrent pour aller raconter à leur maman le refus d'Elisa. Elisa, dit Madame de Fleurville fait preuve de tact, de jugement et de cœur, chère petite, en refusant de nous accompagner demain. C'est la délicatesse qu'elle met dans toutes ses actions qui la rend si supérieure aux autres bonnes que vous connaissez. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'ouvrage, et si elle perdait à s'amuser le peu de temps qui lui reste après avoir fait son service près de vous, vous seriez les premières à en souffrir. Les enfants n'insistèrent plus et reportèrent leurs pensées sur la journée du lendemain. Dieu, que la matinée est longue. Dit Sophie, après deux heures de battements et de, de bâillements et de plaintes. Nous allons dîner dans une demi heure, répondit Madeleine. Et toute la soirée encore à passer. Quand donc arrivera demain? Quand aujourd'hui sera fini. Je sais très bien qu'aujourd'hui ne, ne sera pas demain, que demain n'est pas aujourd'hui, que, que, que demain est demain, et que monsieur Lapalisse n'est pas mort. C'est bête ce que tu dis, tu crois avoir plus d'esprit que les autres. Et je n'en ai pas plus que toi, c'est cela que tu voulais dire Non, mademoiselle, ce n'est pas cela que je voulais dire, mais en vérité, vous me faites toujours parler si sottement. C'est parce que je te laisse dire Camille, d'un air de reproche. Marguerite, Marguerite Chère Camille, pardon, j'ai tort, mais Sophie est quelquefois si. si, je ne sais comment dire Sophie est en colère. « Voyons, dis-le tout de suite, si bête Ne te gêne pas, je te prie. »« Mais non, Sophie, je ne veux pas dire bête, tu ne l'es pas, mais un peu impatiente. »« Et qu'ai-je fait donc, ou dit, de si impatient ?»« Depuis deux heures, tu bailles, tu te roules, tu t'ennuies, tu regardes l'heure, tu répètes sans cesse que la journée ne finira jamais. »« Eh bien, où est le mal Je dis tout haut ce que vous pensez tout bas. » Mais du tout! Nous ne le pensons pas du tout! N'est-ce pas, Camille? N'est-ce pas, Madeleine? Camille, un peu embarrassée. Nous qui sommes plus âgés, nous savons mieux attendre. Et moi qui suis plus jeune, est-ce que je n'attends pas? Sophie, avec une révérence moqueuse. Oh, toi, nous savons que tu es une perfection, que tu as plus d'esprit que tout le monde, que tu es meilleur que tout le monde. Marguerite, lui rendant sa révérence. Et que je ne te ressemble pas alors? Madame de Rosebourg avait tout entendu, avait entendu toute la conversation du bout du salon où elle était occupée à peindre. Elle ne s'en était pas mêlée parce qu'elle voulait les habituer à reconnaître d'elle-même leurs torts, mais au point où en était venue l'irritation des deux amis, elle jugea nécessaire d'intervenir. Madame Marguerite, tu prends la mauvaise habitude de te moquer, de lancer des paroles piquantes qui blessent et irritent. Parce que Sophie a su moins bien que toi réprimer son impatience, tu lui as dit plusieurs choses blessantes qui l'ont mise en colère. C'est mal et j'en suis peinée. Je croyais à ma petite Marguerite meilleur un meilleur cœur et plus de générosité. Marguerite, courant, se jeter dans ses bras. Ma chère, ma bonne maman, pardonnez à votre petite Marguerite. Ne soyez pas chagrine. Je sens la justesse de vos reproches et j'espère ne plus les mériter à l'avenir. Allant à Sophie pardonne moi, Sophie, sois sûre que je ne recommencerai plus, et si jamais il m'échappe une parole méchante ou moqueuse, rappelle moi que je fais de la peine à maman. Cette pensée m'arrêtera certainement. Sophie, apaisée par les reproches adressés à Marguerite et par la soumission de celle ci, l'embrassa de tout son cœur. Le dîner fut annoncé, et on lui fit honneur. La soirée se passa gaiement Sophie contint son impatience et se mêla avec entrain au projet formé pour le lendemain. La nuit ne lui parut pas longue, puisqu'elle dormit tout d'un somme jusqu'à huit heures, moment où sa bonne vint l'éveiller. Quand sa toilette fut faite, elle courut à la fenêtre et vit avec bonheur cette ânes scellés et rangée devant la maison. Elle descendit précipitamment et les examina tous. Celui-ci est trop petit, dit-elle. Celui-là est trop laid, avec ses poils irisés. Ce grand gris a l'air paresseux ce noir me paraît méchant, et les deux roues sont trop maigres. Ce gris clair est le meilleur et le plus beau c'est celui que je garde pour moi. Pour que les autres ne le prennent pas, je vais attacher mon château et mon châle sur la selle elles voudront toute la voile, mais je ne leur céderai pas. Pendant que songeant uniquement à elle, elle choisissait ainsi cette âne qu'elle croyait préférable aux autres. Nicès et son fils, qui devaient accompagner la cavalcade, plaçaient leurs provis les provisions dans de grands paniers qu'on qu attacha sur le bas de la noire. Madame de Fleurville, Madame de Rosebourg et les enfants arrivèrent. Il était neuf heures. On avait bien déjeuné. Tout était prêt, on pouvait partir. Choisissez vos ânes, mes enfants. Commençons par les plus jeunes. Marguerite, lequel veux-tu? Cela m'est égal, chère madame. Celui que vous voudrez, ils sont tous bons. Eh bien, puisque tu me laisses le choix, Marguerite, je te conseille de prendre un des deux petits ânes. L'autre sera pour Sophie, ils sont excellents. Sophie, avec empressement. J'en ai déjà appris un, madame, le gris clair. J'ai attaché sur la selle mon chapeau et mon châle. Comme tu t'es pressée de choisir celui que tu crois être le meilleur, Sophie n'est pas très aimable pour tes amis ni très poli pour madame de Rosebourg et pour moi mais puisque tu as fait ton choix tu garderas ton âne et peut-être t'en repentiras-tu Sophie était confuse elle sentait qu'elle avait mérité le reproche de madame de Fleurville et elle aurait donné beaucoup pour ne pas avoir montré l'égoïsme dont elle ne s'était pas encore corrigée Camille et Madeleine ne dirent rien et montèrent sur les ânes qu'on leur désigna Marguerite jeta un regard souriant à Sophie, réprima une petite malice qui allait, sortir, qui allait sortir de ses lèvres et sauta sur son petit âne. Toute la cavalcade se mit en marche, Mesdames de Fleurville et de Rosebourg en tête. Camille, Madeleine, Marguerite et Sophie les suivaient. Nicède et son fils fermant la marche avec l'âne aux provisions. On commença par aller au pas, puis on donna quelques petits coups de fouet qui firent prendre le trot aux ânes. Tous trottaient, excepté celui de Sophie, qui ne voulut jamais quitter son camarade de provisions. Elle entendait rire ses amis, elle les voyait s'éloigner au trot et au galop de leurs ânes, et malgré tous ses efforts et ceux de Nicaise, son âne s'obstina à marcher au pas, sur le même rang que son ami. Bientôt. Où suis-je Bientôt, les cinq autres ânes disparurent à ses yeux. Elle restait seule, pleurant de colère et de chagrin. Le fils de Nicaise, touché par ses lames, lui offrit des consolations qui la dépitèrent bien plus encore. Faut pas pleurer pour si peu, mademoiselle. De plus grands que vous s'y trompent bien aussi. Votre bourri vous semblait meilleur que les autres. C'est pas étonnant que vous n'y connaissiez rien, puisque vous ne vous êtes pas occupé de bourri dans votre vie. C'est qu'il a l'air, à le voir comme ça, d'un fameux bourri. Moi qui le connais, à l'user, je vous aurais dit que ce n'était qu'un feignant et un entêté. C'est qu'il n'en fait qu'à sa tête. Mais il faut pas vous chagriner. Au retour, vous le passerez à Mlle Camille, qui est si bonne, qu'elle le prendra tout de même, et qu'elle vous donnera le sien, qui est parfaitement bon. Camille ne répondait rien. Mais elle rougissait de s'être attirée par égoïsme de pareille consolation. Elle fit toute la route au pas. Quand elle arrivera, quand elle arriva à halte désignée, elle vit tous les ânes attachés à des arbres. Ses amis n'y étaient plus. Elle avait voulu l'attendre. Elles avaient voulu l'attendre, mais madame de Fleurville, qui désirait donner une leçon à Sophie, ne le permit pas. Elle les emmena avec madame de Rosebourg dans la forêt. Elles y firent une charmante promenade et une grande provision de fraises et de noisettes. Elles cueillirent des bouquets de fleurs des bois, et lorsqu'elles revinrent à la halte, leur visage rose et épanoui et leur gaieté bruyante contrastaient avec la figure morne et triste de Sophie, qu'elles trouvèrent assise au pied d'un arbre, les yeux bouffis et l'air honteux. Ton âne ne voulait donc pas trotter, ma pauvre Sophie, lui dit Camille d'un ton, affec ton, ton affectueux et en l'embrassant. J'ai été punie par mon sot égoïsme, ma bonne Camille. Aussi ai-je formé le projet de prolonger ma pénitence en reprenant le même âne pour revenir. Oh, pour cela, non, tu ne l'auras pas, s'écria Madeleine. Il est trop paresseux. Puisque c'est moi qui ai eu l'esprit de le choisir, dit Sophie avec gaieté, j'emporterai la peine jusqu'au bout. Et Sophie, ranimée par cette résolution généreuse, reprit sa gaieté et se joignit à ses amis pour déballer les provisions, les placer sur l'herbe et préparer le déjeuner. Les appétits avaient été excités par la course. On se mit à table en s'asseyant par terre et l'on entama d'abord un énorme pâté de lièvre, ensuite une, dôme à la une daube à la gelée, puis des pommes de terre au sel, du jambon, des écrevisses, de la tourte aux prunes et enfin du fromage et des fruits. Quel bon déjeuner nous faisons! Ces écrevisses sont excellentes. Et le pâté est si bon. La tourte est délicieuse. J'avais une faim affreuse. Madame de Rosebourg, veux-tu encore un peu de vin pour faire passer ton déjeuner? Je veux bien, maman. À votre santé. Tous les enfants Tous les enfants demandèrent du vin, et burent à la santé de leur maman. 19e siècle. Marguerite, je crois qu'elle a six ans, hein. Le repas terminé, on fit dans la forêt une nouvelle promenade, et cette fois en compagnie de Sophie. Nicaise et son fils déjeunèrent à leur tour pendant cette promenade, et rangèrent les restes du panier et de la vaisselle. Ils placèrent dans les paniers, qu'ils placèrent dans les paniers. « Papa, » dit le petit ne faut pas que Mlle Camille ait le bruit feignant de mademoiselle Sophie. Mettons-lui sur le dos le bas aux provisions, et mettons la selle sur le bourri noir. Il n'est pas si méchant qu'il en a l'air, je le connais, c'est un bon bruit. » Fais, mon garçon, fais comme tu l'entends! Quand les enfants et leur maman revinrent, elles trouvèrent les ânes scellés, prêtes à partir. Sophie se dirigeait vers son gris clair et fut surprise de lui voir le bas aux provisions. Nicaise lui expliqua que son garçon ne voulait pas que Mamselle Camille restât en arrière. Mais c'était mon âne et pas celui de Camille! Faites excuse, Mamselle. Mamselle Camille a dit à mon garçon que ce sera le sien pour revenir. Mais n'ayez pas peur, mademoiselle. Le bourri noir n'est pas méchant. C'est un air qu'il a. Faut pas le craindre. Il vous mènera bon train. Allez. Sophie ne répliqua pas. Dans son cœur, elle se comparait à Camille. Elle reconnaissait son infériorité. Elle demandait au bon Dieu de la rendre bonne comme ses amis. Et ses réflexions devaient lui profiter pour l'avenir. Camille voulut lui donner son âne, mais Sophie ne voulut pas y consentir et sauta sur l'âne noir. Tous partirent au trot, puis au galop. Le retour fut plus gai encore que le départ, car Sophie ne resta pas en arrière. On rentra pour l'heure du dîner. Les enfants, enchantés de leur journée, remercièrent mille fois leur maman du plaisir qu'elle leur avait procuré. Madame de Fleurville ouvrit une lettre qu'on venait de lui remettre. Mes enfants, dit elle, je vous annonce une heureuse nouvelle. Votre oncle et votre tante de ruge, et votre oncle et votre tante de Trapi m'écrivent qu'ils viennent passer les vacances chez nous, avec vos cousins Léon, Jean et Jacques. Ils seront ici après-demain. Quel bonheur s'écrièrent toutes les enfants. Quelles bonnes vacances nous allons passer Les vacances et les cousins arrivèrent peu de jours après. Le bonheur des enfants dura deux mois, pendant lesquels il se passa tant d'événements intéressants que ce même volume ne pourrait en contenir le récit. Mais j'espère bien pouvoir vous les raconter un jour. Et c'est ainsi que se finit Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Et donc c'est donc le tome 2 en fait. Le tome 1, c'est les malheurs de Sophie, qui sont vraiment euh, orientés sur Sophie, et Sophie est petite encore dans celui-là. Euh, et Camille et Madeleine, elles apparaissent, mais elles apparaissent vraiment brièvement. Euh, donc celui-là c'est le tome 2 qui est plus centré sur en fait, les petites filles modèles et, euh, et leur famille avec Sophie et Marguerite qui se rattachent dessus. Euh, le tome 3 donc c'est les vacances et c'est la suite directe donc, euh, des petites filles modèles. Je me souviens plus trop. Je sais qu'il y a un peu de continuité, notamment avec euh, la belle-mère de Sophie qui revient. Mais euh, c'est à peu près tout. Et justement on a les garçons en fait, qui, euh, qui sont présents dans, dans les vacances. Euh... Voilà, donc c'était sympa. Moi, j'ai relu, ça faisait, bah, ça faisait super longtemps. J'avais pas lu ça depuis, euh, bah, depuis que j'étais, euh, que j'étais, euh, euh, je crois que j'avais relu peut-être quand j'étais ado. J'ai lu au, au, à, à la base, je lisais ça quand j'étais petite, mais euh, j'avais peut-être lu une fois quand j'étais adolescente. Euh, donc voilà, ça a vieilli. Enfin voilà, c'est sûr que ça a vieilli. Euh, ça date de 1800 et quelques, euh, donc ça a les idées de 1800 et quelques. Euh, ce que je trouve... Ce qui m'a surpris, en fait, c'est autant je m'attendais à trouver euh, les trucs racistes et, les, et euh, les voilà les personnes qui vivent de leur rente, les super familles aisées avec euh, euh, les constats racistes, euh, avec beaucoup la présence de la religion qui est aussi très présente euh, à l'époque dans la vie des gens. Euh, ça, ça, je m'y attendais, je m'en souvenais un peu. Par contre, c'est vrai que avec le recul, la partie que je trouve bien, c'est que euh, c'est super rare d'avoir euh, des livres. Euh, avec des filles et des femmes, euh, sans hommes. Enfin, les, les, les hommes qui sont présents dans ces dans ces, dans c'est ces... vraiment euh, c'est vraiment euh, des N... <laughs> c'est vraiment des NPC quoi. Ils, ils sont vraiment accessoires. Donc c'est vraiment focalisé sur des femmes. Euh, L'éducation est pas trop mal. C'est-à-dire que Madame de Fleurville et Madame de Rosebourg, elles sont Assez... Enfin, à part voilà, Madame Fouchini qui est représentée comme étant une horrible belle-mère qui maltraite son enfant, euh, Madame de Fleurville et Madame de Rosebourg ont une éducation qui est plutôt mieux que ce à quoi je m'attendais. Euh, et puis oui, c'est vrai que c'est surprenant et c'est sympa de voir un livre aussi ancien écrit par une femme et avec que des femmes dedans. Euh, donc ça, c'est vraiment cool. Euh, et voilà. Est-ce que je lirai la suite Je ne sais pas. Je ne pense pas maintenant. Si jamais je le fais. Euh, ce que j'avais envie de faire, c'était plutôt euh, peut-être de. J'avais envie en fait de lire un fantomètre, ce qui est un peu l'autre truc. Enfin, là pour le coup, les fantomètre, c'est vraiment les livres que j'ai vraiment dévorés quand j'étais très jeune, quand j'ai commencé à savoir lire, donc autour de 6-7 ans. Euh, et ce que j'avais envie de faire, c'est les fantomètre, c'est plus court que les petites filles modèles dans mes souvenirs, c'est quelque chose que je peux peut-être faire en deux sessions. Euh, et c'est des enquêtes un peu policières, donc je me souviens plus. Euh, de la qualité des enquêtes, hein. c'est peut-être des enquêtes scrubiso. Hein. Mais, euh, mais euh, voilà, ce que je me dis, c'est que euh, ça peut être sympa de voir euh, peut-être soit un fantomètre ou faire deux fantomètres, un ancien, donc les fantomètres c'est des années 1950, et de faire un ancien fantomètre et peut-être un le plus récent fantomètre, et de voir un petit peu ce qui a changé euh, depuis. Euh, je ne sais pas si c'est le même auteur, parce que je me demande si l'auteur, il est, il est peut-être décédé depuis. Hein. Si les premiers centimètres, ça date des années 50 ou peut-être 70. Faudrait que je regarde. Mais euh, voilà. Donc c'est un peu ça que j'ai en tête. Et puis sinon, euh, bah, je vais essayer euh, à droite à gauche un petit peu différents euh, différent récits, voir un petit peu euh, ce qui plaît, et puis, euh, et puis euh, continuer sur euh, s'il y a des choses qui intéressent. J'essaye d'avoir en fait des récits qui peuvent se prendre un peu au milieu. C'est ça qui est bien avec les petites filles modèles, c'est que euh, vous n'êtes pas obligé d'arriver. Vous n'êtes pas obligé en fait, d'avoir suivi euh, tous les streams depuis le début, vous pouvez vraiment arriver au milieu et euh, ne pas être déboussolé. Alors que si je lis un livre plus traditionnel, c'est compliqué. Euh, et même si je fais des résumés à la fin de... Enfin, au début de chaque chapitre, je ne sais pas si ça reste intéressant en fait à suivre. Donc euh, c'est pour ça que j'essaye un peu de chercher ce genre de livre avec euh, une histoire un peu plus épisodique. Même si du coup c'est peut-être un peu moins intéressant, je ne sais pas. Euh, voilà, en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir regardé ce stream, j'espère que ça vous a plu, et puis euh, merci beaucoup d'avoir euh, suivi jusqu'au bout avec moi, en tout cas c'était super sympa, et puis moi je vous dis à bientôt, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye